Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, ce que je vous donne mon avis soit sur un site internet ou soit encore sur une marque d'enseigne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est Soperfum qui passe sur le grill. Alors, Soperfum, c'est quoi? Ils vous revendent en fait des parfums dits de luxe, donc qui sont des flacons à d'habitude qui sont chers, on va dire entre 40 et 100 euros, voire plus peut-être, pour certains. Et là, ils vous les revendent sous un autre d'emballage, ainsi que sous un autre nom. Donc, c'est pour ça que vous le payez moins cher, l'original. Mais ils sont tous aussi bons. Alors je vais procéder comme d'habitude, je vous donne quelques informations que vous trouvez sur leur page internet. C'est la première fois que vous entendez parler du Soperfum, vous allez voir quand vous tapez dans votre moteur de recherche Soperfum. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Tout en haut à gauche, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous avez un nom d'enseigne où ce qui a marqué Soperfum, la parfumerie fine accessible à tous. En dessous, vous allez trouver l'onglet accueil, à sa droite l'onglet L, à sa droite de ceci l'onglet lui, à sa droite parfum de niche, l'autre onglet qui se trouve aussi encore à sa droite c'est l'onglet nouveauté, quand vous continuez à droite encore ça va être l'onglet promo, puis à sa droite l'onglet carte cadeau, l'avant-dernier onglet de cette ligne-ci c'est votre onglet wishlist, et la dernière donc c'est l'onglet sondage. Si vous remontez vous allez trouver votre onglet connexion, à sa gauche l'onglet mon panier, continuez sur la même ligne encore à gauche, vous allez trouver leur moteur de recherche. Donc par exemple vous connaissez un autre parfum ou la marque d'un parfum que vous souhaitez acheter, par exemple pour moi ce serait Dolce & Gabbana ou Angel ou encore Taiwan. Vous tapez là-dedans et vous appuyez en dessous sur le symbole de la loupe pour dire moteur de recherche. Donc, quelques informations clés que je pourrais vous donner, que j'ai fait des petites recherches. Alors, leur tranche de prix que je peux vous dire, ça part de 1,90€ et ça peut monter jusqu'à 24,90€. Je parle pour l'onglet femme. Voilà quoi, l'onglet enfant et l'onglet homme, ça ne m'intéresse pas, donc je pourrais pas vous dire si c'est à peu près la même tranche de prix ou pas. Mais il faut savoir que pour 1,90€, vous allez trouver un petit flacon de parfum de 2ml ou de 5ml. Il faut vraiment le tester si vous connaissez de nom ou de marque et que vous savez pas si ça va être quelque chose que vous appréciez. Donc ça ne sert à rien que vous achetez le grand format de 30ml et le plus gros, je crois que c'est de 50 ou 60ml, je sais plus exactement, et de mettre autant d'argent dedans alors que vous pouvez en acheter un petit. Est-ce que c'est vendu à l'international? Ils envoient à l'international. Est-ce qu'il y a des frais de port? Alors oui, il y a des frais de port, à moins que vous commandez pour 90€ ou plus. Il faut savoir que si vous commandez plus que 3 ou 4 flacons, je sais plus exactement, ils vont seront plus chers parce qu'il va falloir qu'ils mettent plus d'emballage pour que ça tienne au transport de 1 et de 2. Il faut aussi savoir que si vous commandez dans un pays qui est de plus en plus éloigné de la France ou de Monaco, ils vont aussi vous demander plus aussi pour risque d'emballage et de frais, et aussi à cause du transport et du emballage qui vont faire un emballage plus sécurisé. Comme ça, quand ça arrive chez vous, vous trouvez un flacon cassé dans votre carton. Les modes de paiement, donc vous pouvez payer par carte, Visa, carte bancaire, Mastercard et PayPal. La livraison serait soit dans un point relais, soit à votre domicile ou encore dans une autre adresse que vous avez choisi. Est-ce que c'est de la qualité? Ah oui, donc pour ma part, oui, c'est de la qualité. Voilà quoi, moi j'ai que un parfum de chez eux, c'est l'élégance. Donc en fait, si vous voulez, le Taiwan de Dolce & Gabbana, sauf que l'élégance chez eux, il coûte 19,90€ le format que moi j'ai. Et en vrai, le vrai format de Taiwan de Dolce & Gabbana, vous avez entre 60 et 120€. Donc là, il y a une grande différence de prix, mais c'est la qualité. Mieux en magasin ou leur site internet. Alors, je ne crois pas qu'en France il y ait un magasin, en tout cas pas près de chez moi. Voilà quoi, donc jamais rien entendu. Donc je vais dire leur site internet. Et de où est-ce que je connais? Donc je connais depuis 2013 ou 2014, je ne sais plus exactement, quand Sandrea, donc de la chaîne Sandrea 26 France, avait présenté des parfums sur sa chaîne, et je trouvais ça très intéressant. On peut dire que c'est des parfums de luxe, mais qu'on peut payer moins cher que ça, que ça vaut plus cher. Et j'ai oublié de vous dire aussi que quand vous commandez chez eux, ils vont aussi vous mettre la mention que si vous commandez un parfum pour homme, faut pas faire gaffe que si c'est un capuchon en couleur or, que c'est pas fait pour les hommes. Voilà quoi, ça ils vous disent aussi. Est-ce que je recommande? Donc oui, je recommande tout à fait, vu qu'on trouve du parfum à bas prix, si on peut dire ça comme ça. Voilà quoi, si vous connaissez un nom ou une marque, vous l'avez en format type échantillon de 2 ml ou 5 ml, que vous payez 1,90€, donc 2€, et que vous n'avez pas besoin d'acheter tout de suite la grande bouteille pour soit 19€ ou 24€. Donc oui, je recommande aussi parce que ça a exactement la même odeur que l'original et ça tient aussi longtemps que l'original. Donc oui,
Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de SoPerform avant que vous voyez cette vidéo. Et pour vous, est-ce que vous recommandez ou... Et pour vous, est-ce que c'est aussi de la qualité par rapport à l'original que vous connaissez? En bas en avant, je vous mettrai donc leur site internet en français, donc soperform.fr. Si jamais je trouve les magasins qui sont situés dans le 68, mais je pense pas, je les mettrai aussi en barre d'infos. Je mettrai aussi en barre d'infos lorsque tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore fait. Je t'invite à le faire pour voir mes futures vidéos qui vont sortir. Ainsi de nous rejoindre sur les réseaux, c'est-à-dire Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi que sur Twitter. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux et ainsi de mettre un pouce vers le haut pour te dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo ou le contenu de vidéo. Comme ça, moi, je saurai dans un futur que je peux vous faire d'autres vidéos dans ce thème-là. Pour ça, moi, je vous fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!